Hey, salut à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on part sur un haul de chez Action. J'espère qu'il vous plaira. Je vous ai, comme d'habitude, je vous ai trouvé des petites pépites. J'espère que ça vous plaira. Je suis désolée pour le bruit de la machine derrière. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et on passe tout de suite au haul. Donc, le premier, c'est des crayons, comme vous voyez. Et en fait, derrière, vous avez des modèles ici. De coloriage à faire, et en fait c'est un petit kit ensemble. Je peux vous montrer si vous souhaitez. Donc les crayons ici présents. Je suis désolée pour la lumière, je pense que c'est le fait d'être là-haut que ça fait ça. Mais bon, c'est un peu mieux quand même. Donc voilà, le cahier de coloriage, et dedans vous avez plein de coloriage à faire dedans. C'est tout petit, ça peut, par exemple pour votre enfant quand vous partez en voyage, ça peut être pas mal. Dans les bons plans de cette semaine, il y avait ces boîtes là, donc vous en avez une très grande. J'ai pris une deux moyennes, une grise et une noire, et deux petites avec. Si vous voulez, je vous mets les tailles et la contenance. Là par exemple c'est 2 litres. Celle-là c'est 6 litres. Et celle-là c'est. Ça va faire du rangement en fait en bas dans le placard de l'entrée parce qu'il est trop bazar. J'en peux plus de voir ce bazar. Il va falloir que je remédie à ça dès que je suis en vacances. Vu que là j'ai encore cours, dès que je suis en vacances, c'est bon. Je fais ça. J'ai aussi trouvé. Ça, je l'ai cherché depuis très très longtemps. Je crois que c'est moins 3 euros. Et c'est pour, vous savez, c'est pour faire avec des tampons, pour faire des marques sur, par exemple, les enveloppes, pour faire des, comme des seaux, en fait, si je me souviens bien. C'est ça, il y a 3 seaux en cire, 3 bâtonnets pour seaux en cire, une poignée en bois et une feuille d'instruction. Et là dedans vous avez différentes couleurs, vous avez vert, bleu et or. Vous avez aussi rouge. Toujours il y a la argentée rouge. Et vous avez normalement, ce que j'ai vu, 2 sauts différents ou 3. C'est ça, vous en avez 3, excusez-moi, moi je me trompe. Et après celui qui est un peu plus rose. Et là vous avez des seaux, c'est une fleur, un cœur et une sorte de couronne. On les voit derrière en fait comment ils sont. Une sorte de couronne un peu comme juste César, un papillon. Et on dirait un lys après. Enfin, ça vous de me dire si je ne me trompe pas. J'ai aussi retrouvé des paper pads. Ça c'était pas la semaine dernière, donc ici. Là c'est plus tout ce qui est feuilles. Je vous l'ai montré comme la semaine dernière, comme ça, si j'arrive à tenir bien. Donc vous voyez là c'est plein de feuilles différentes, avec différents coloris, argentés, dorés pardon, avec différentes couleurs dorées sur certaines pages, comme vous avez pu voir. Là c'est plus tout ce qui est mer, vague. Ça fait un peu style marbre en fait. Parce que j'ai eu des idées, donc j'ai hâte de commencer à faire mes petites idées avec tout ce que j'ai acheté. Déjà, on va bien les ranger sous l'escalier et après je prends mes idées. Et ces idées seront dans ce cahier parce qu'en fait c'est pour faire du dessin. Il est grand en feuilles A4 cartonnées. En fait, un peu comme les feuilles canson finalement. Et dedans, vous en avez 50 feuilles. Donc on verra si c'est bien ou non. On a repris aussi un autre. Là c'est plus rose. Rose feuille en fait. Regardez celle-là comment elle est magnifique. Et là c'est plus rose métallique en fait. Et vous avez plein de feuilles dedans. Toujours rose. Celles-là sont pas mal du tout. Des petites fleurs, des fleurs plutôt, des fleurs et des feuilles. Et là plein de feuilles, plein de fleurs pardon, avec des arcs-en-ciel.
Je vous mettrai évidemment tous les prix comme d'habitude. Là, vous en avez d'autres. Là, c'est plus tout ce qui est nuit, coucher de soleil, le ciel, avec la voie lactée, la lune. Il y avait aussi les montagnes vues. Mais je crois que celui-ci, il est un peu abîmé. Les aurores boréales. Donc voilà pour celui-ci. Et j'en ai pris un autre, c'est plus marbre. Je suis désolée, c'est collé. C'est scotché. Mais dedans, regardez. Vous voyez derrière, en fait, ce que vous avez à l'intérieur. Je vais essayer de cacher ma tête. Voilà. Là, vous voyez mieux, je pense. Et vous en avez certaines en or aussi. Ah, elles sont vraiment jolies. J'ai hâte de faire le projet avec tout ça. J'ai pris ça, c'était nouveau aussi. C'est un set pour faire de la... Comment ça s'appelle? Ça, c'est un set que vous pouvez transporter en fait avec 23 pièces. Dedans, vous avez des crayons gris de différentes couleurs, c'est ça? Avec dedans des crayons gris de différentes tailles. Vous avez un set de croquis qui comprend 12 crayons de croquis HB, donc ce que je vous ai dit. Un bloc de croquis, comme je vous ai dit, 20 feuilles. Une gomme blanche, un tailles-crayon, un crayon fusain, 6 crayons de couleur et un sac facile qui est là à transporter. J'ai trouvé ça aussi. Dès que j'aurai terminé ce que j'ai acheté chez Cultura, je vais le commencer. C'est une sorte de boîte à musique. Et en fait, c'est en forme de jardin. En forme de... Même c'est marqué Flow Market de magasin de fleurs. Donc j'ai hâte de commencer à le faire dès que j'aurai terminé ce que je dois faire comme petite peluche. J'ai commencé à faire du crochet que j'ai commencé à faire. Donc j'espère que ce sera pas mal. J'ai tout vidé, comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu plus par thème, ce sera un peu mieux. Donc voilà, j'ai repris aussi ça pour le crochet parce que je sais pas, j'arrive pas avec celle qui est mise en fait dans l'emballage. J'ai pris en fait différentes pinces à crochet aussi parce que j'arrive pas avec celle qu'ils mettent en fait dans la boîte. J'arrive pas du tout avec, donc voir pourquoi pas avec une autre. Mais elle est tellement fine et vu que j'ai pas l'habitude, je pense que c'est pour ça aussi. Donc qu'est-ce que nous avons d'autre? Après j'ai acheté, je vous conseille d'aller acheter des feuilles si vous ne savez pas où en acheter chez Action. Franchement ça vaut le coup. C'est pas mal du tout. En plus Canon, vu que j'ai un Canon en imprimante, c'est vraiment très très bien. Et vu le prix maintenant, c'est presque 8€ chez Leclerc. Et là vous l'avez pour 5€ le paquet de 500 feuilles. À 4, ça vaut vraiment le coup. Et même, je vous dis, pour l'imprimante, ça passe très très bien. Donc, moi, je sais qu'il n'y a pas de... J'ai jamais eu de soucis avec. J'ai trouvé des petites... des mini-ciseaux aussi pour couper tout ce qui est fil et autres. Pour l'activité que je suis en train de faire actuellement pour le crochet. J'ai acheté ça pour moi. C'est normalement utilisé dans le bain. Je pense que je vais mettre dans un petit peu d'eau et comme ça je pourrai respirer un petit peu pour me relaxer parce qu'en ce moment je suis très tendue. Mais ça ira et j'adore refaire des vidéos, franchement c'est un kiff que j'adore faire. Après pour la maison j'ai repris juste une petite bougie que je vais mettre je pense dans la salle de bain ou en bas. C'est marqué Sunday Sky et vous en aviez je crois 3 modèles différents. Et là j'ai pris en fait, je sais même pas qu'est-ce que c'est des masques pour le visage à l'argile. Et donc vous en aviez 3 différents, pourquoi pas faire un crash test avec vous ce week-end. Il y en a un, c'est l'aloe vera, rose flower, rose, des roses quoi, et kaolin clay. Ça je sais pas du tout qu'est-ce que c'est comme en argile. Tester la réaction sur la peau en appliquant le masque sur une petite zone du visage. Bah, c'est ce que je vais faire sur une petite partie du visage par exemple. Juste ici. Alors j'ai appris, il y en a, ils testaient en fait juste derrière en fait l'oreille. Ça permettait comme ça de voir si on a une réaction allergique ou non à un produit au lieu de le mettre complètement sur son visage. Et après découvrir qu'en fait on est allergique à ce produit.
Je vais tester ça aussi. Cheveux secs, c'est un masque capillaire à l'avocat. Je pense qu'on va tester le masque, un des masques. Plus, dites-moi lequel que vous voulez entre les trois masques. On a le bleu, le violet et le rose. Dites-le moi dans les commentaires, comme ça je vais tester avec vous. Et là, on a un shampoing sec, pour cheveux secs, pardon, nutritif, pH neutre, et ainsi qu'un masque capillaire que je vais essayer aussi peut-être ce week-end avec vous. Parce que mes cheveux, c'est une grosse cata. Actuellement, ils n'arrêtent pas de graisser, de sécher. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai trouvé ça aussi. Je trouvais ça trop, trop mignon. Une bonne marque Alpina. J'ai pas mal de produits de la marque Alpina de chez Action. Je vous les conseille. Et là, vous voyez, là, c'est pour mettre des bonbons. Vous pouvez faire des pots à confiture. Et là, moi, c'est juste pour ranger des petites choses dedans. Et c'est de la contenance est de 200 ml. J'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais mettre dedans. Je sais plus si je vous ai montré ces chaussettes-là aussi. C'est pour rendre vos pieds beaucoup mieux. Crash test, of course. Je vais vous faire plein de vidéos en ce moment. Sinon, j'ai pris un pyjama, en fait. C'est un bas et un haut. Assez glamour pour vous. Pour nous, les femmes, ou les hommes, il n'y a pas de problème. Et après, un t-shirt assez grand, comme ceci, pour dormir et pour rester à la maison. Et vous avez 98% de coton et 2% viscose. Et donc, me revoilà. C'est ça que j'ai trouvé assez nouveau. J'avais jamais vu encore. Il a l'air beaucoup plus solide que celui que j'ai, parce que celui que j'ai, des fois, il se casse la figure. Donc ça fait tomber mon appareil photo. Et voilà. Il se compose dedans d'un sac, d'une perche aussi qui fait une rotation de 360 degrés. Vous pouvez aussi mettre votre téléphone. Et ça fait entre 60 et 1,70 m. Et pour le téléphone, vous pouvez élargir entre 11 et 15 cm. Non, 15 cm, je pense, maximum. Crash test. Et je mets de côté, on va essayer ça ensemble. J'espère qu'il sera bien. Il sera beaucoup plus solide que celui que j'ai. C'est bien marqué trépied universel, qui se combine parfaitement avec de nombreux appareils multimédia. Réglez-le sur l'angle qui vous convient le mieux grâce au bouton de réglage. Se plie et se déplie facilement et s'étend de 60 à 170 cm. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter. Et on se retrouve évidemment bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut, prenez soin de vous.